Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Martyr, film français et canadien de 2008, réalisé par Pascal Laugier. France, début des années 70, Lucie, une petite fille de 10 ans, disparue quelques mois plus tôt, est retrouvée errant sur la route. Les raisons de son enlèvement restent mystérieuses. Traumatisée, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, on sonne à la porte d'une famille ordinaire, le père ouvre et se retrouve face à Lucie, armée d'un fusil de chasse. Persuadée d'avoir retrouvé ses bourreaux, elle tire. Précédé d'une réputation pour le moins sulfureuse, Martyr a bien failli ne jamais rencontrer son public. En cause, une interdiction aux moins de 18 ans, votée à 5 voix contre 1 par la sous-commission de classification des œuvres cinématographiques, puis confirmée à 13 voix contre 12 un mois plus tard par la commission plénière. Une décision vue par le réalisateur Pascal Laugier comme une forme de censure et vécue comme une sanction car synonyme d'une exploitation en salle quasi nulle. Le distributeur ayant fait appel, le film repasse devant la commission sur demande du ministère de la Culture et se retrouve cette fois-ci à 14 voix contre 12, seulement interdit aux moins de 16 ans, assorti d'un avertissement. Une classification qui permet à Martyr de bénéficier d'une sortie en salle un peu moins restreinte. Avec 69 copies, le film ne peut pas faire et ne fait pas de miracle en termes d'entrée, environ 95 000, mais la publicité faite autour de sa classification initiale et les réactions qu'il suscite auprès des spectateurs lui apportent au fil des années une certaine renommée auprès des amateurs du genre, en France et à l'international. Si j'ai découvert le travail de Pascal Laugier en 2004, en salle, à la sortie de Saint-Ange, premier long métrage très référencé mais prometteur, il m'a fallu plus de 10 ans pour me décider à me plonger dans l'univers extrêmement sombre de Martyr. Il faut dire que la réputation d'œuvre choc entourant un film ne constitue pas véritablement un argument de vente à mes yeux. D'autant que, dans le cas de Martyr, l'aspect œuvre choc apparaît finalement quelque peu réducteur. Durant l'écriture de Martyr, Pascal Laugier n'est pas dans un état d'esprit particulièrement festif. Marqué par la réception critique et publique plutôt tiède de Saint-Ange, et supportant de moins en moins la violence grandissante du monde dans lequel nous vivons, le réalisateur semble à ce moment-là complètement désabusé. Le scénario, fougueux et instinctif, s'en ressent fortement jusqu'à son final. Avec Martyr, Pascal Laugier entend livrer un film viscéral, revendiquant dès le départ son caractère plus que violent. Son intention n'est pas de réaliser un film cherchant à tout prix à faire peur au spectateur, mais bien de le plonger dans la situation la plus inconfortable possible. Il souhaite contourner les genres et surprendre, n'appliquer aucun second degré et surtout respecter la souffrance de ses personnages. Le film ne fait clairement pas partie de ceux qu'on choisit de regarder un soir entre amis pour s'amuser à se faire peur, ici pas de jumpscare, de gore outrancier ni même de mouvement de caméra alambiqué. Il ne fait pas dans le divertissement et la violence se veut brute et clinique, sans filtre pour soulager le spectateur. Si le film doit en partie sa réussite à l'aspect transgressif voulu par Pascal Laugier, paradoxalement, il le doit également aux conditions dans lesquelles il a été produit. Canal+, cherchant à financer à hauteur de 2,5 millions un film de genre, la chaîne se tourne vers Richard Grandpierre, producteur de Saint-Ange, lequel propose le projet à Pascal Laugier, la condition étant que le scénario doit être rédigé en moins de 4 mois. Laugier, qui habituellement prend son temps pour écrire et choisir ses films, accepte, préférant saisir l'occasion plutôt que de rester dans l'incertitude de voir ses projets se concrétiser un jour. Le tournage se déroule au Canada en un temps réduit mais avec une totale liberté, compte tenu du budget plutôt moyen pour ce type de production, et sa faible appétence pour la technique et les dispositifs trop contraignants, Laugier tourne principalement caméra à l'épaule.
Il privilégie les performances des acteurs et des actrices compte tenu de l'intensité des scènes demandées, laisse libre cours à l'improvisation, tourne beaucoup sans storyboard, accordant une place importante au montage. Le sujet du film, tout comme sa représentation sur le plateau, rend cependant l'entente avec certains membres de l'équipe plutôt difficile. De plus, 4 personnes se succèdent au poste de directeur de la photographie, dont 2 renvoyées par Laugier. Enfin, la production doit s'arrêter 6 mois après un accident survenu lors d'une scène de Morgana Allaoui, l'interprète d'Anna. Tour à tour, film de vengeance, film de secte, film de torture ou bien encore film de fantômes japonais, Martyr permet à son réalisateur d'aborder différents sous-genres, de les redéfinir pour mieux surprendre le spectateur. Difficile de parler de Martyr sans trop en dire, le long métrage reposant en grande partie sur les glissements qu'il opère au sein de son histoire et sur les raisons justifiant la violence déployée sous nos yeux. Si Martyr propose une violence graphique et psychologique assez poussée, celle-ci repose sur un récit de film de genre dans lequel le personnage de Mademoiselle est là pour éviter au spectateur de rester sans explication et donc d'éviter toute gratuité. L'investissement total des actrices Morgana Allaoui et Mylène Jean-Panoï et leur performance intense font beaucoup pour la réussite du film et l'empathie éprouvée par le spectateur pour leur personnage. De même, le travail réalisé par l'incontournable maquilleur Benoît Lestan achève de faire de Martyr une proposition forte qui n'est pas faite pour plaire à tout le monde mais qui ne laisse pas indifférent. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut !